Derby algérois au stade du 5 juillet pour la 7e journée du championnat de Ligue 1. Le Chabab Elia des Debelouizdad reçoit le Mouloudia d'Alger. Les supporters du Mouloudia, même s'ils ne sont pas très nombreux, se sont mobilisés pour réaliser ce superbe tifo. Le coup d'envoi est donné par le club doyen qui attaque tambour battant, à peine une minute de jeu. Yashir pour Jallit, Ousrir dégage des deux points, le ton est donné. À peine deux minutes plus tard, Rezi adresse un caviar à Jallit. Aksaz découpe littéralement l'attaquant mouloudéen, l'arbitre ne bronche pas. Hachoud pour Rezi, celui-ci ne cadre pas sa frappe. Les coéquipiers de Slimani se réveillent à la 10e minute, double occasion, Chaouchi est attentif. En gagne d'une superbe frappe cadrée, oblige Chaouchi à se détendre. Slimani est accroché à l'entrée de la surface par Bechiri. Coup franc tiré par Amour, au-dessus. Aksas à plus de 30 mètres, Chaouchi encore une fois sur la trajectoire du ballon. Le Chabab encore à l'attaque, sans conséquence pour les protégés de Menned. À la 32e minute de jeu, coup dur pour Arena qui dirige probablement un de ses derniers matchs à la tête du CRB. Slimani sort sur blessure, remplacé par Soji. L'attaquant international est ovationné par les Chinois à sa sortie, des images que l'on aime voir. Superbe coup franc de Metref, Ousrir est encore une fois à la parade. Yashir remet astucieusement à Kassem en retrait, mais il ne cadre pas sa frappe. Hachoud au coup franc dans les bras du portier Belouzdadi. Metref combine avec Yashir, Ousrir s'interpose. Mi-temps sur ce score de 0 à 0. Corner pour le club doyen en ce début de seconde période. Sortie en 6 mètres. L'ambiance dans les tribunes est à l'opposé de ce qui se passe sur la pelouse. Cette seconde période est tachée et terne, presque aucune occasion d'un côté comme de l'autre. On sent la fatigue due probablement au calendrier démentiel. Et c'est sur cette dernière frappe non cadrée de Soji que se termine ce match sur un score nul et vierge. Match qui ne restera définitivement pas dans les annales du football.